torpedo that sunk the Cheonan and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders express concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. 우리 공화국의 통일은 남한과의 한민족을 갖고 올 것이며 경제와 산업의 발전을 갖고 올 것입니다. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling. The only good communist is a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. Hours after the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Chez Robert Jacobs, j'ai entendu quelqu'un bouger à l'intérieur. Ouvrez la porte, c'est la police professionnelle. Ouvrez cette porte maintenant, ou on sera obligé d'enfoncer. Contre le mur. Robert Jacobs, pourquoi êtes-vous aussi réticent à servir votre pays en ces temps de crise ? Nous savons parfaitement que vous avez tout perdu. Les valeurs du patriotisme devraient vous donner du courage. Notre glorieux chef, Kim Jong-un, vous apprendra à libérer les ressources naturelles de votre pays et conduira chacun à la prospérité. C'est notre cadeau. Mais vous, vous nous avez contraints à examiner votre dévouement pour la cause américaine. Emmenez-le! Avancez! Regardez droit devant vous et restez en rang! Levez-vous! Levez-vous! Avancez! Jack, on avance, j'ai dit! Pas un mot! Montez dans le bus! Iseki, calme, Jerry! Neda, t'es le gagasse! Anjo, chicou!
maintenant. Vous êtes en état d'arrestation. Les mains dans le dos. Merci plus tard. Prenez ce flingue. Suivez-moi. Come on, climb out. I had to see Connor's plan didn't get you killed. I'm Rihanna. Let's go. We need to move. We're gonna have the entire KPA on our ass after that. Here comes the cavalry. Stop. Get out of the parking lot! You are surrounded. Spotted them. Into the store. Get down! Ils essaient de nous faire reculer! Ce sauvetage va nous coûter cher. J'espère que vous en valez la peine. On a besoin de vous, Jacobs! Ouvrez le feu! Il y en a deux qui passent par-dessus la clôture! Baissez la tête! Gaspillez pas les munitions! Les mains dans le dos! Utilisez le viseur! Vous avez plus le choix, vous avez du sang coréen sur les mains. Vous êtes dans la résistance maintenant. Laissez aucune munition à l'ennemi. Il y a une station-service plus haut. Kim's l'utilisait comme dépôt de carburant. Je connais un raccourci. Il faut qu'on se mette à l'abri le temps que ça se calme.
limite près du bus. Vous voulez vous faire descendre ou quoi? Allez, t'en allez! Connard! C'était pas censé être un sauvetage éclair? Faites pas, c'est juste une station-service. À mon avis, ça va les ralentir. On se dirige vers River Road. Rendez-vous là-bas. Pas le temps de discuter. Terminé. Y a un problème? Boone pense que c'est trop dangereux de se mêler aux civils. Il préfère risquer toute l'opération plutôt que de contrarier une bande de squatteurs. Calmez-vous. Ils s'inquiètent pour eux, c'est tout. Ouais? Mais qui s'inquiète pour nous? Squad. Je pense qu'ils nous ont pas vus.
Restez en position, personne ne bouge. Attendez, attendez. À mon signal. Maintenant, allez-y. Je m'attendais pas à ce qu'ils envoient toute l'armée à nos trousses. Vous vous attendiez à quoi? Je vous signale que vous avez mis le feu aux poudres. J'ai lu votre dossier, Jacobs. Tenez-vous à carreau, ok? Du calme, Connor. C'est pas pour rien que Boone l'a choisi. Jacobs, grimpez là-haut et couvrez-nous pendant qu'on inspecte la course suivante. Énorme.
crois qu'on les a perdus. River Road, c'est par là. C'est dingue qu'il y ait des gens qui vivent si près de l'épave. Et encore plus dingue qu'ils viennent pas nous aider. Bande de lâches. L'IEM a dû leur flinguer les couilles aussi. C'est pas parce qu'un avion est tombé du ciel qu'ils sont devenus des combattants. Peut-être qu'ils sont pas prêts à se battre. La PC ne harcèle pas ces personnes. Elles essaient juste de vivre leur vie. En plus, Boone vous a donné un ordre. Boone n'est pas là. Nous, on va faire ce qu'il faut pour rester en vie. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes une communauté pacifique. Il y a des familles ici. Vous allez nous attirer des ennuis. Tout le monde se calme. Dès que les autres arriveront, on s'en ira. Je suis sûr qu'ils n'ont pas été suivis. On s'en va. Mais vous devriez tous aller à l'intérieur. Il faut pas attirer l'attention. Doucement, Connor. Il fallait pas venir. Vous risquez d'attirer très gros ennuis à ces gens. On avait nulle part où aller. La zone grouille d'hommes de l'APC. On est censé se battre pour ces gens. Pas se cacher derrière eux. Non, on se plante pas. J'en ai assez de vous deux. Vous êtes le pilote? Je suis Boone Carlson. J'ai créé cette cellule. L'armée américaine se rassemble à San Francisco. On a besoin de vous. Il lui faut du carburant. Et on a un plan. Dans la maison! Merde! On prend pour cible! Pitié, ne faites pas de mal à mon bébé! Oh, c'est pas vrai! Il manquait plus que ça. On est de votre côté, madame! Défendez l'arbre de la maison! Il faut les empêcher de tirer sur les civils! Mina! Pitié, ne faites pas de mal à mon bébé! Calmez-vous, madame! Chercher quand ce sera prêt. Venez. Il est touché. C'est pas trop faire. Appuyez dessus. Ici. Il nous faut Goliath. Où est-il? Hooper! Où est Goliath? Derrière! Goliath est derrière! Mais le viseur est dans mon sac! Et là-bas! Il perd son sang! Ok, c'est un problème! On passe semi-automatique! On a un calibre 50, c'est trop intelligent! Mais vous contrôlez les missiles! Visez vos cibles et tirez! Détruisez ces véhicules!
maintenant. Allons-y, Cooper. Suivez Goliath. L'APC a envahi la ville de Montrose, dans le Colorado. L'objectif était de, je cite, « neutraliser des cibles civiles importantes ». Mais cette riposte contre l'insurrection était démesurée. C'est le sang des innocents qui a coulé dans la grand-rue. Tous vos proches ont été abattus, comme des chiens. L'un des groupes de résistants de Montrose a, semble-t-il, pu s'échapper après une fusillade dans un quartier voisin. Reste à espérer que ces combattants de la liberté aient pu se mettre à l'abri dans l'une des nombreuses banlieues abandonnées. Quoi qu'il leur soit arrivé, nous nous battrons. Bonjour Montrose, vous écoutez KPAR 88.3 FM. Et voici l'info du jour. 24 civils américains ont été tués hier dans une fusillade menée par un groupe d'insurgés locaux. Les autorités de l'APC recherchent Connor Morgan. Quelle foutue propagande. Vous êtes réveillés ? Vous avez vraiment passé un sale quart d'heure, on dirait. Sortez quand vous serez prêts. Je vous ferai faire un tour. T'es prêt. On partira après la prochaine patrouille. Venez. Bienvenue chez nous. Tout ça, c'est notre petit bout d'Amérique. On a tous bossé pour créer cet endroit, former une sorte de communauté. C'est pas l'avenir qu'on espérait, mais au moins on est libre. De l'extérieur, ça ressemble un peu à un taudis de banlieue. Mais dedans, on est en toute sécurité. Des barrières, des arbres, des camouflages, tout ça nous protège de l'APC. Pourtant, on doit rester très prudent. Surtout en ce moment. Bien sûr, contactez Rihanna, elle prépare le terrain. Connor a les munitions. Tout ce qu'on mange, cultivé. On récupère l'eau là-bas. Avec les panneaux solaires et les éoliennes, on a juste assez d'énergie. Viens avec moi. Ça veut dire qu'on est prêt à y aller. Il y en a marre de rester planté là. On n'a vraiment pas beaucoup de temps pour récupérer ces balises. Alors on devrait s'activer au lieu de glander. C'est moi qui décide. Si on fait ça bien, tout le monde s'en sortira. Hooper va bientôt donner le signal. On se retrouve au tunnel.
Ces fumiers vont avoir ce qu'ils méritent. Mieux vaut avoir Connor de son côté. Faites donc un tour. Je vous retrouve là-bas. Synchronisé avec les patrouilles coréennes. Donc, on a le temps. Faites connaissance avec les autres. On se retrouve de l'autre côté. Vous êtes le pilote dont on nous parle. Hein, on dit que vous avez pris de gros risques. C'est qui le nouveau ? Hein ? Milet. Il fait partie du plan San Francisco de Gaulle. Doon, c'est Hooper. La patrouille vient de passer. On se retrouve à la sortie du tunnel. Bien reçu. On y va. Venez, Jacobs. Il était temps. Écoutez, vous pouvez nous aider. On manque d'hommes pour la mission cruciale de ce soir. L'équipement que nous visons sera essentiel pour la suite. Ils sont plus nombreux et mieux équipés. Alors prenez une arme et le plus de munitions possible. Suivez-moi. À creuser ces tunnels au début de l'occupation. Il y a près de 5 km de passage sur la route. On en a creusé partout, sauf sous le mur qu'ils ont construit pour nous enfermer, bien sûr. Cette saloperie descend jusqu'à la roche de fond. Quand on aura libéré ce pays, on démantèlera ces murs. Tu parles, je le ferai sauter quand tu passes. Avec Claudia. Occupez-vous du viseur. J'ai l'impression que vous avez compris comment ça marche. Rihanna a confirmé la livraison du camion et du mortier par la cellule Gunnison. Mais il y a une tour de surveillance entre nous et le terrain. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas détruite? Elle n'était pas là la dernière fois qu'on est venu en reconnaissance. On devrait pouvoir la contourner. Non. Il faut détruire ces tours. Attention, ces tours de surveillance sont équipées d'un radar caillou relié à un canon automatique de 20 mm. Les systèmes de contrôle de tir... Jacobs, balancez une grenade à l'arrière de ce machin. On va se frayer un chemin. On attend le passage du projecteur, et on y va. Si vous êtes pris dans son faisceau, mettez-vous à couvert et attendez. Ces choses sont peut-être intelligentes, mais moins que moi. J'y vais en premier. Allez, j'y vais. Sur moi. Jacobs, vous allez devoir descendre sur le gars. Jacobs, avancez, descendez-le.
Je fonce. On est assez près. Lancez une grenade derrière ce truc. Visez la cuve de propane à l'arrière de la tour. J'ai d'autres grenades si vous en avez besoin. Vous êtes... faites gaffe. Faire sauter une tour de surveillance à moins de 100 mètres de la sortie du tunnel. Ne bougez pas. Je vois, à tout à l'heure. Ne faites pas de bruit. Jetez un coup d'œil. Je croyais que les patrouilles étaient terminées. Elles l'étaient. La prochaine n'était pas prévue avant 6 bonnes heures. On dirait qu'ils sont en avance. Si on veut attaquer, il faut faire vite. On va les prendre par surprise. Qui est sur le toit, on va voir les oreilles. Jacobs, il est à vous. À votre signal, on y va.